Hey yo tout le monde, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News. Dans cette vidéo, on va parler de Cardi B qui a fait un énorme cadeau à Megan Thee Stallion. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Avant de commencer, le petit commentaire du jour de Monsieur Yanis Bernard. Salut Black, il y a Gunna sur Insta qui a offert 100K en guise de gâteau pour les 29 ans de Young Thug le dimanche 16 août. Cependant, je me demande que serait ta réaction si une personne de ton entourage t'offre des liasses de billets au lieu d'un gâteau lors de ton anniv qui aura lieu le 25. Attends, wait, une petite minute. Comment tu sais que mon anniversaire c'est le 25 août? Je l'ai jamais dit en fait. Pour répondre à ta question, moi si on m'avait offert des liasses de billets en guise de gâteau pour mon anniversaire, donc environ 10 à 100K, je pense que j'aurais eu la même réaction que Young Thug, voire pire. Parce que moi je suis pas riche comme Young Thug, j'ai pas l'habitude de voir des grosses liasses comme ça. Je pense que j'aurais zoqué fort avec les liasses. Et après ce que j'aurais fait, j'aurais invité tous ceux qui sont à mon anniv au café de Flore ou bien dans un grand resto parisien. Tu sais le genre de resto où tu dois avoir une tenue exigée, genre en costume. Et après avec le reste de l'argent, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais tout donné à la daronne. Maintenant, à votre tour, dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous aurez fait. Maintenant, on peut commencer la news. Let's go. Cardi B a remercié ses fans en vidéo car son morceau WAP est mis numéro 1 au Billboard Hot 100. Bon putain de jour! Je viens de me réveiller et regarder. Billboard Hot 100 numéro 1. Mais attendez. Elle est où, coucou, alors? WAP débute avec 93 millions de streams aux USA. Le plus de streams en première semaine pour un son d'histoire. Attendez, ne bougez pas. Je m'y retrouve pas. WAP débute numéro 1 sur les charts de vente digitale de morceaux avec le plus de ventes en première semaine en 2020. Je vais me préparer. J'ai dû venir dehors parce que je voulais réveiller personne. Je vais me préparer et je vais même pas parler. Je vais vous faire un témoignage. Et je voudrais dire merci beaucoup à Megan Thee Stallion. J'espère juste que tu es aussi heureuse que je le suis. Mais je vais me préparer et vous faire un témoignage. Parce que quand je vous dis... Ok, comme vous avez pu l'entendre, elle a remercié Megan Thee Stallion et elle l'a remercié une deuxième fois en lui donnant un cadeau qui coûte très cher. Megan Thee Stallion a partagé la vidéo sur son compte Instagram, je vous laisse avec la vidéo. I know you fucking mad. Girl! Bitch! Not the Birkin! Wow, I'm dead. Damn. Oh my God. Dans la légende, qu'est-ce qu'elle dit, Megan? Mon manager vient juste d'arriver et m'a dit que Cardi m'avait offert un truc. C'est le Birkin. C'est le nom du sac. Merci. Mon Dieu, j'y crois pas. Et là, tu vas me dire, Blacky, t'abuses. C'est pas un énorme cadeau, c'est juste un sac. Et en plus, un petit sac. Comme tu peux le constater, c'est pas n'importe quel sac, c'est pas n'importe quelle marque. C'est de la marque Hermès et les prix varient entre 10 000 et 15 000. Ça peut même monter à 30, 50 000. Ça dépend comment est fait le sac, s'il est en crocodile ou bien en cuir. Je te laisse constater par toi-même. Pour moi, c'est un énorme cadeau. Autre news, Cardi B a dépensé 100 000 dollars en test pour le Covid pour le tournage de son clip WAP. Elle dit, nous avons dû dépenser 100 000 dollars uniquement pour les tests. Tout le monde sur le tournage a dû se faire tester pour le coronavirus. Elle parle aussi des animaux qui étaient présents dans le clip. Nous avions un tigre et un léopard, mais nous n'avons pas tourné avec eux là-bas pour des raisons de sécurité et à cause de la pandémie. Nous avons assemblé ces scènes. En tout cas, elle a payé 100 000 dollars pour les tests du Covid, mais ça va être clairement rentabilisé, hein. Le nombre de millions de vues que le clip a fait, numéro 1 au Billboard Hot 100, t'inquiète pas qu'elle est super bien Cardi B. C'est comme si elle avait dépensé 100 euros pour elle. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé des news. Et aussi répondez aux commentaires de Yanis Bernard. Vous, qu'est-ce que vous aurez fait si vous avez eu des liasses en guise de gâteau d'anniversaire? Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. Ooh. On my dick, she like a Lego, never Lego. Yeah. Her mind stuck up on me, so I call the Velcro. Yeah. Till I need my dinero, yeah. Pendejo. Hit my metro, if it's about the peso, yeah. Like it's go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the biggest endo. Bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. Yeah. I got a big gun, I need help with it. Yeah. To wet your babe up, Michael fell with it. Hell.